Trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier? Le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. J'aimerais savoir s'il est nécessaire de nettoyer les emballages avant de les jeter dans le bac de tri. Vous êtes nombreux à vous poser cette question et à hésiter à jeter un emballage sali par des restes de nourriture. La salissure des emballages est l'un des premiers freins au tri, condamnant ces derniers à finir aux ordures ménagères. Eh bien, sachez que c'est pourtant une idée reçue, car même sale, un emballage se trie. Vous ne rincez pas votre pot de yaourt sous l'eau, ce serait gaspiller de l'eau, et vous ne jetez pas votre carton à pizza dans les ordures ménagères parce qu'il est taché d'huile piquante ou de sauce tomate. Le seul geste que vous avez à faire avant de les déposer dans le bac de tri, c'est de bien les vider. S'ils sont sales, cela ne gêne pas leur recyclage car les process industriels comportent des étapes de traitement de la matière. Par exemple, le filtrage pour le carton ou la fusion pour les emballages en métal ou en verre. Donc n'ayez vraiment aucune hésitation. Ne les mettez pas non plus dans des sacs, laissez-les en vrac dans le bac pour faciliter les process en centre de tri. Enfin, n'oubliez pas que trier les emballages, même sales, permet de préserver des ressources naturelles, d'économiser de l'eau et de l'énergie. Pour en savoir plus sur les bons gestes de tri, vous pouvez télécharger l'appli Guide du tri de Citeo.